aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'ai la voix pétée. Ce sera un haul action comme vous avez pu le voir dans le titre. J'ai le sac juste là, j'en reviens tout juste. J'ai déjà été faire quelques achats chez Action la semaine dernière pour acheter des lustres. Je vous montrerai une photo de ce que nous avons fait avec les lustres que nous avons trouvés chez Action, avec un petit peu de peinture en bombe trouvée chez Action aussi. On a fait une sorte de suspension en trio. Enfin bon, je vous mettrai la photo maintenant. Voilà, comme ça vous aurez vu un petit peu ce que ça donne. En fait j'ai acheté 3 lustres, un noir, un gris et un gris. Donc un noir et deux gris, ouais. Et du coup on en a pas un en blanc crème. Enfin beige crème, enfin je sais pas comment on dit, blanc ou beige, enfin on s'en fiche. Et du coup ça fait une suspension qui est un petit peu originale. Pour celles qui me demanderont, effectivement je n'ai pas reposé, enfin on a déposé les lustres qu'on avait achetés chez La Redoute parce que c'était juste pas possible. Ils étaient tellement mauvaise qualité que du coup j'ai couru chez Action. Je me suis dit je vais faire la même chose que dans l'ancienne maison, c'était très bien, ça nous plaisait bien. Et du coup voilà, donc on repart avec des suspensions de chez Action. Mes cheveux m'agacent. Voilà, on va faire comme ça. Qu'en pensez-vous? Allez, on va pas se prendre le chou. Allez, c'est parti. Donc, j'ai acheté pas mal de choses. D'ailleurs, la semaine dernière aussi, j'ai acheté des valises. Je crois que je vous les ai postées sur Snapchat. Voilà, une valise rose, une valise grise, parce que notre valise était en tissu et elle commençait à rendre l'âme. Les valises semi-rigides chez... Enfin, rigides, ouais. Enfin, rigides, souples, vous voyez ce que je veux dire. Chez Action, coûte 39,95€. Donc on verra si elles tiennent le coup. Mais en tout cas, elles ont l'air très très bien. Et ce que j'ai aimé, c'est que la rose, en fait, eh ben, je peux la reconnaître parmi les autres bagages. Alors la grise, on mettra une étiquette. J'ai acheté une étiquette, vous savez, pour mettre le nom, etc. Sur les valises. Du coup, on pourra quand même les reconnaître. Mais la rose, alors je suis sûre de ne pas la louper, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai prise. Et voilà, donc on passe tout de suite aux articles que j'ai achetés aujourd'hui. Parce que autrement, je vais parler 107 ans des articles que j'ai achetés la dernière fois. Ça n'a aucun. J'ai été coupée par ma carte SD et il n'y avait plus d'espace. Mais je vais y arriver, je vous garantis que je vais y arriver. Alors, j'ai pris Ticket Cash. Comme ça, je vais essayer de vous donner les prix au fur et à mesure. Je sais que la dernière fois, vous avez beaucoup aimé parce que j'ai dit les prix au fur et à mesure. Donc voilà. Alors. On va commencer, alors j'ai pris des petites choses pour l'avion, une tenue pour pas avoir froid dans l'avion et en même temps être à l'aise. Et j'ai pris des trucs pour grignoter, des trucs pour la maison, voilà. Mais je vais vous expliquer au fur et à mesure, ce sera bien plus simple. J'ai pris un col roulé comme ceci en coton pour femme taille M et il coûtait 1,99€. Je me suis dit de toute façon, même si je le mets pas pour aller dans l'avion, je le mettrai autrement. Mais c'est vrai que c'est super pratique, sachant que quand on est dans l'avion, ils mettent la clim à fond. Surtout pour les longs courriers. Alors soit vous crevez de froid, soit vous crevez de chaud. Donc voilà, donc j'ai pris un col roulé. On verra bien si j'en ai besoin ou pas. Ensuite j'ai pris un pantalon comme ça, un petit peu jogging, mais avec des petits, je sais pas si vous verrez, mais ça scintille un petit peu. Ouais, si vous voyez. Donc j'ai pris ça, alors il n'y avait plus que du taille L. Bon bah on verra bien ce que ça donne, hein, c'est pas grave. Je serrerai un petit peu plus la ficelle. Voilà, et donc ce pantalon là était à 4,99€. Ensuite j'ai pris des barres de céréales bio. Donc j'en ai pris deux. Et ces petites barres là coûtent 1,79€. J'ai pris ça parce que en fait, pour celles qui ne savent pas, on part en Floride en fin de semaine, donc dimanche, nous sommes lundi. Je commence à préparer un petit peu les petites choses pour le voyage. En l'occurrence, on fait Bordeaux, Madrid, Madrid, Miami. Et en fait, on part à 6h du matin de la maison. Et on arrive, enfin on part de Madrid à, je crois que c'est 16h ou 15h, un truc comme ça. Et du coup, on voudrait pas acheter une blinde le repas à l'aéroport de Madrid. Parce qu'autant vous dire que la dernière fois, on a payé mais, le prix d'un resto gastronomique pour une salade, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai pris plein de petites choses comme ça, que je vais vous montrer au fur et à mesure, pour pouvoir grignoter et ne pas se ruiner avant de partir. Ce serait un petit peu dommage quand même. Voilà. Donc ensuite j'ai trouvé des petites barres comme ça aussi, donc vegan à 55 centimes. J'en ai pris 3, donc on verra bien ce que ça vaut. Il y en avait à la noix de coco, il y en avait au chocolat et il y en avait à la banane. Hop, donc elles sont là. Toc. Ouais, ah non, il y en avait encore là. Ah bon, j'en ai pris plein. 55 centimes l'unité. Voilà. Ensuite, j'ai pris, suivant vos conseils, parce qu'il y en a beaucoup qui, suite à la
vidéo de la Munch Pack que je vous mettrai en i quelque part par là, je ne sais jamais quel côté, je ne saurai jamais je pense. Voilà, qui m'ont dit que chez Action il y avait aussi des lions peanuts. Et comme on a trouvé ça trop bon, j'ai fouillé. Oh, j'ai trouvé. Donc il y a des lions peanuts chez Action et ça coûte 2,15€. Et alors ça, autant vous dire que si vous êtes gourmande et que vous aimez le beurre de cacahuète ou tout simplement les cacahuètes, ça c'est trop bon. Ensuite j'ai pris des chewing-gum Mentos gomme. Voilà, comme ceci pour l'avion, parce que si vous n'avez jamais pris l'avion ou si vous n'êtes pas habitué, moi je prends toujours des chewing-gum pour le décollage et l'atterrissage, ça m'évite d'avoir les oreilles trop bouchées. Je mâchonne pendant qu'on atterrit ou qu'on décolle, comme ça, ça m'évite d'avoir mal aux oreilles. Donc je prends toujours des chewing-gum avant de partir, ça c'est un indispensable. Ensuite, j'ai pris de l'ambipur désodorisant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais plus. Ah bah voilà, c'est ça. C'est comme du Febreze quoi. Voilà, c'est exactement la même présentation. En plus, on est d'accord. Et donc, ambipur textile Lenor. J'ai payé ça 2,95€. Voilà, c'est pour mettre sur les tapis, les poussins, les rideaux, tout ce que vous voulez. Tous les tissus qui sont un petit peu renfermés. On met ça dessus, on laisse sécher et ça sent très bon. Voilà, sans qu'il soit sale bien sûr. Hein. Ça ne vous empêche pas de laver vos affaires. Mais là, c'est pour, voilà, pour les textiles, si vous sentez que ça sent un petit peu le renfermé, mais qui sont propres. Ensuite, le power dégraissant Vial. Alors, j'ai pris donc ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, d'habitude, j'ai l'habitude de prendre un truc au savon noir. C'est, je ne sais plus lequel, forcément. Mais voilà, je voulais tester celui-là parce qu'il est bien moins cher. Je crois que l'autre est à 5€ en supermarché. Il est vachement bien l'autre. Hein. Mais si celui-là fait le même effet, bah, je prends. Donc je voulais tester. C'est un dégraissant. Voilà. Élimine les graisses sur toutes les surfaces. Action immédiate. Donc on va tester. Je vous dirai ça au fur et à mesure. Enfin, je vous dirai ça si, si je teste. Entre temps, je vous mettrai une annotation. Je ne pense pas, hein, sincèrement. Parce que je pense que je vais poster vite cette vidéo. Que vous en ayez une à vous mettre sous la dent. Et, mais de toute façon, si je le teste, je vous mettrai une annotation comme d'habitude. Ensuite, j'ai acheté des chaussettes de ski pour mon mari, comme ceci. Pourquoi? Parce qu'il travaille souvent en extérieur et il est dans le bâtiment pour celles qui ne savent pas. Et du coup je voulais pas qu'il ait froid aux pieds parce qu'on arrive dans une semaine où il va faire très froid. Je voudrais pas qu'il chope la mort avant de partir en vacances quoi. Ce serait un petit peu dommage aussi. Donc j'ai pris deux paires de chaussettes de ski à 3,99€. Et j'ai pris des chaussettes de travail, on verra lesquelles sont les mieux, à 3,59€. Il y avait deux paires également. Et ensuite j'ai pris... je crois qu'il y a le chien en bas qui est en train de me démonter la maison. J'ai pris ceci, donc c'est pour peser les bagages. Donc on verra bien si ça marche ou pas. Ça, j'aurai pas le temps de vous mettre une annotation parce que de toute façon, on pèsera nos valises au dernier moment. Je crois qu'on a le droit à 25 kg par personne ou 27, je ne sais plus. Voilà, donc on pèsera les valises avec ça. Ça, c'est bien pratique quand on part en voyage souvent. Ensuite, j'ai pris des chaussettes de... j'ai trouvé ça bizarre. Des chaussettes pour le voyage. Alors, est-ce que c'est un petit peu de contention? Est-ce que c'est plus chaud? Est-ce que c'est plus respirant? Je ne sais pas, mais en tout cas, je testerai et je vous en dirai des nouvelles. Parce que ça m'intriguait en fait, ces chaussettes de travel, quoi, de voyage. Chaussettes de voyage, j'avais jamais entendu ça. Donc voilà, chaussettes de voyage, 1,95€. Ensuite, j'ai pris un masque de sommeil. Parce que si j'ai envie de dormir et qu'il y a la lumière dans l'avion, et ben je mettrai ça comme ça, je ne serai pas embêtée. Et ça, ça coûtait 75 centimes. Ensuite, j'ai pris des sockets comme ceci parce que je vais mettre des baskets là-bas et que j'aime beaucoup avoir ce style de chaussettes pour mettre dans mes baskets. Et elles étaient à 1,49€ pour deux paires. Voilà. J'ai également pris ceci. Donc ça c'est une pochette pour mettre tous les produits de beauté dans votre sac. Donc si vous avez envie d'avoir un petit peu d'eau micellaire pour vous rafraîchir, voilà, ou de la crème, si vous sentez que votre peau vous tire, vous pouvez mettre ça là-dedans. Pour le voyage, vous savez que ça passe au niveau des douanes. Voilà. Ensuite j'ai pris ça. Ça avait l'air d'être un dupe des vous savez des... Les trucs Lenor là, en bille aussi longue durée. Donc ça je testerai et je vous dirai ça parce que ça c'était bien moins cher. Ça coûte 2,99€. Je crois que l'autre il est dans les 5€ aussi. Un peu pareil que le nettoyant. Donc si c'est bien, je vous dirai ça très bientôt. Ensuite, alors pareil sur les conseils, sur vos conseils en commentaire sous la Munch Pack. Vous m'avez dit qu'il y avait des rizzes. Je ne sais jamais comment on dit. Les rizzes.
Voilà, chez Action. Et du coup, j'en ai pris. Donc par contre, ce ne sont pas des Reese's. Des Reese's, pas les traditionnels. Là, c'est sous forme de bar. Donc on va goûter. Mais alors ça, ça n'a rien d'être un petit peu trop bon à mon goût, quoi. Voilà. J'ai pris ceci parce que sur nos fenêtres, on a encore de l'adhésif. Et je voulais voir si ça allait enlever l'adhésif. C'est un truc pour enlever l'adhésif. Vous savez, les résidus d'autocollants qu'il y a sur les fenêtres ou quand vous mettez un scotch sur quelque chose, ça enlève les résidus de scotch. Donc on verra ça, je testerai, ça m'arrangerait bien si ça marchait. Et ensuite, donc pour les suspensions qu'on a mis dans le salon et les applis qu'on a mis dans notre chambre, on avait besoin d'ampoules. Donc du coup, j'ai pris 4 ampoules, donc des E27 à 360 lumens, 4 watts, et elles étaient à 2,19€ l'unité, donc autant vous dire que ça coûte pas grand chose, sachant que ce sont des LED. Voilà, c'est très important à savoir. Voilà, donc en tout j'en ai eu pour 52,46€ pour tout ça. Je suis ravie, bien sûr, ça m'aide pour partir, donc ça m'arrange bien. Voilà, et les enfants sont contents parce qu'ils auront des petites cochonneries à manger en plus, voilà. Donc voilà pour ce haul Action, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à me dire aussi les produits que vous adorez chez Action, mais que vous n'avez jamais vu dans mes haul Action. Ça pourrait m'aider à trouver des nouvelles choses, parce que c'est vrai que par exemple les bars Reese's et les lions peanuts, bah, je les avais jamais vus. Et en fait c'est en fouillant, en regardant vraiment bien, parce que je savais ce que je cherchais, que j'ai trouvé. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimez beaucoup chez Action, mais que vous n'avez pas forcément vu dans mes vidéos. Voilà, sur ce je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, prenez soin de vous, bye bye.